La MIF, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et si vous voulez 2 épisodes par semaine, likez et commentez l'épisode fort. J'ai une bonne nouvelle la famille, j'ai ouvert ma 2e chaîne YouTube pour vous mettre une nouvelle mini-série dessus. Donc allez vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, bon visionnage. Pour le paper, je donne plus de sentiments. Je remplace mes battements par un pacemaker. Bah ouais, je suis mauvais, bah ouais, je suis toxique. Mais j'en veux de l'argent, gros que veut mon cœur. Je suis là pour le paper. Le temps passe. Déjà 1 an qu'Aïcha est partie. Je me suis retrouvé seul avec mon fils. Mais je veux maman. Mais maman, elle est plus là, bébé. Moi, je suis là. Maman. Il s'en est passé des choses. Blunt. Si je le fais pas, tu vas faire quoi? Tu me connais assez bien pour savoir ce que je vais faire. Tu vas faire quoi maintenant? Hein? C'est l'heure de payer, fils de pute. Fayou. Aziz. Et toutes les histoires du bloc. Tu vas faire quoi maintenant, hein? Soit tu niques ta mère. Soit tu niques ta mère. J'ai laissé tout ça derrière moi. Je suis venu vivre au Maroc avec mon fils. Et pour notre bien. C'est mieux comme ça. Sur place, j'ai rencontré quelqu'un. Je m'y attendais pas du tout. En étant sincère avec vous, je pense plus jamais aimer une personne comme j'ai aimé Aïcha. Mais bon. Ouais, bravo. On verra où tout ça nous mène. Je me prends vraiment plus la tête. Bien arrivé Aïd dans la maison. T'as chaud, bisous. Attention, va te tuer vite. Aïden, on va rentrer, se préparer, se doucher, se changer. Comme ça, on accueille la famille, d'accord? Ouvre-moi pas les yeux, wow. On y va, c'est parti. Tout se passait bien, mais sans le savoir, le passé était en train de me rattraper. Ah, mais ça va quoi? Et toi, tu vois? Anne et Bobo, ils vont bien? Ils vont bien, mon pote. Mais t'as vu, toi? Passe à la baraque. Tiens, j'ai ramené des pains au chocolat pour petit déjeuner, c'est moi. Tu gardes tes vieux pains. Garde tes vieux pains au chocolat. Laisse-moi fumer ma clope. T'es con quoi? Tu veux la rue? Tu crois que tu vas avoir de l'argent comment dans ta vie? Comme toi. Comment ça comme moi? Je t'ai dit quoi déjà? Écoute-moi bien, la rue c'est pas fait pour tout le monde. Je t'ai dit quoi déjà? Non, j'ai cru que t'en voulais pas. C'est de comment ça? Comment? Comme le gros cul de ta meuf. Vas-y, arrête de me casser les couilles là. Hey, arrête de faire la route. Je suis ton grand ref. T'as un problème, je serai toujours là pour toi. T'as compris? Ah, tu casses le cou. T'as dit quoi? Rien.
Lui, c'est Fox, mon gars sûr. Un frérot depuis longue date. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Il était parti faire ses études à l'étranger. Et là, il est de retour en France et de passage au Maroc pour venir me voir. Et même si on s'écrit rarement, notre relation n'a pas bougé. À chaque fois qu'on se voit, on a toujours le même délire. Ça tue. Ah, il me fait le musclore ici, là, il me zève. Pourquoi tu t'habilles en pingouin? Toujours en costard. Sois à l'aise, frérot. Téma, comment il sautille, il me fait le coach sportif ici, là. Écoutez-le. Ah ouais. Allez, tiens, cher. Mais ça me fait super plaisir qu'il soit là, frérot. C'est italien, c'est soft, la matière, elle est faite pour ça, en fait. Ouais, 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 si tu veux, carré, mais là, on est pas en Italie, frère. Et alors? Mais c'est en Italie, là, on est au Maroc. Eh, je reste avec les Marocains, j'arrive, beau gosse, propre. Il fait 40 degrés, frérot. Qui a toqué à la porte? C'est tonton Fox! Ça va quand, frérot? Mon gars! Ça va quand? Ça dit quoi, mon ref? On est là, ça dit quoi, mon frérot? Ça va, ça va, ça va, tu vois? Je te présente plus tard. Enchanté, on m'a trop bon avec toi. Comment ça va? Comment va, mon frérot? Ça va, ça se passe? Ça a été comment la route? Eh, frérot, là, t'es chez moi, c'est chez toi. Bienvenue au Maroc, mon frérot. Vas-y, rentre, reste pas à l'entrée, on va se poser à l'intérieur. Eh, t'as trop que trucs à me dire, frérot. Ah, trop que à me dire. Putain, le frérot. C'est tonton Fox, il est là! C'est comment? De quoi c'est comment? Tu t'as dit c'est toi? Ah gars, c'est le multivers hein. Ah, c'est le cas de le dire. Deux univers opposés. Ouais, là c'est clair. Ah, c'est dingue. Vraiment opposé. Mais tu vas pas me sortir bon vieux dicton hein. Les opposés ça tire. La gars, ça s'attirait pour de vrai hein. Mais t'as les épaules pour ça? Comment ça j'ai les épaules pour ça? Tu connais ton bouc? Permis bowling poteau. T'as un monstre. Putain mais t'as pris les pecs et tout là. Ça t'as pris les pecs. Sur ça tu pousses ça tous les gars. Ah chacun. Attends, t'as raison. Ça fait plaisir de te voir mon frère. Tiens, ça a sonné. Frérot, écoute, mets-toi à l'aise. Chez moi, c'est chez toi. Là, je prends mon fils, on ouvre à tout le monde. Et on arrive. C'est bon, mon frère. Ça fait plaisir, frérot. Vas-y, à tout de suite. Mets-toi à l'aise. Tout à l'heure, il gueule. Ok, vous les avez reconnus, Souf et Julie. C'est la mif, ça bouge pas. Ils m'ont rejoint au Maroc et ça fait frérot, plaisir. Moi je te le dis, la meilleure ville du Maroc, c'est Rabat, la capitale, frère. Frérot, j'ai jamais dit que Rabat c'était pas bien. Je te dis juste, Rémi 7, c'est mieux. Hein? On passe toujours de bons moments. Les choses les plus simples sont les plus belles. Vous avez les voitures à Rémi 7? Rémi 7, c'est la Jet 7, poteau, je te le dis. Oh, le malade. Y'a nous, les Schlecht, qu'est-ce qu'il y a? Ah, les Schlecht, j'aime bien. Les Schlecht, ah, ça, j'aime bien. C'est carré, les Schlecht, j'aime. J'aime beaucoup nos conversations, ça me tue. Passe. T'es Team Pommes ou Team Hawaii? Moi, je suis plus Team Hawaii, frérot. T'es plus Team Hawaii? Ouais, c'est bien. Ah, Team Hawaii fort. Encore fini? Ouais, c'est trop bien. Sinon, Souf et Julie, ils sont toujours fous amoureux. Leur Eden, complicité n'a pas changé. Il joue partout, en plus il a la piscine, t'imagines? J'ai fait un cauchemar. Ah non, arrête. Toi, t'as vu de force? Mais qu'est-ce que tu fais? T'avais soif, non, tu m'as dit? Ah, putain. Et tout va bien entre eux. Un peu trop bien même. Comment ça? Oh là là, les gars, vous l'avez manqué. Oh, yes, c'est ton pote. Ça va, mon gars? Ça dit quoi? Ça vit à Marrakech, hein? Ça va. Je vois, ça s'est fait plaisir. Bon, je vous présente toute ta chanté. Ça va? Tranquille? Oh, on a entendu parler de toi. Ça va? Justement, bien. Trop bien. Vas-y, restez pas là, on va parler tranquille. Vas-y, à la cool. Allez, vous poser. Chéra l'américaine, elle vient nous rendre visite des States et c'est la meuf sur Amago. C'est qui cette fois? Hello, my princess baby girl. How are you? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Je suis trop contente de te voir, ma belle. Tu vas trop manquer. Hello, what's up? What's up? Je vois, je suis bien sapé, merci, ça va? Là, je t'en prie, rentrez, c'était pas rentré. Ok, hey. T'as vu c'est qui? Va. Ne traîne pas trop avec les filles, hein. Un deck, hein. Allez, va, beau gosse, va.
Ouais, tu commences déjà à faire fanfaron toi, hein? Nawara, la meilleure amie de Julie. J'ai dit à Julie d'inviter une amie à elle, si elle le souhaitait, et c'est Nawara qui est arrivée. Avec l'arrivée de l'enfant de Julie, elles n'ont plus trop eu le temps de se voir. C'est donc le moment pour elle de se retrouver. Quoi? T'as trois roues, mais ils sont pas alignés. Mais ils sont comme ça. Non. Ah si, t'as gagné. Voilà. Allez. Nawara. Ça va? Mais oui, t'as pu te libérer. Bah, j'étais obligée quand même, ta meilleure amie. Souffle, viens voir qui est là. Alors, le voyage, ça s'est bien passé? Ouais, en fait, mais ça va. Je suis chauffée. Oh ça va? C'est trop bien que ça. Ça va et toi? Incroyable, genre là, t'es venue. Obligée? Obligée? Je suis choquée de fou. T'as repris le sport? Ouais, t'as vu. Il saigne là, ça. Ouais, ça reprendrait un peu, tu vois, histoire d'être en forme. Même toi, là, je vois, t'es là, t'es fraîche, tu t'es mis en bombe. Bah, c'est clair, ok. Ouais, bah, t'as raison, tu vas profiter. Moi, je dois être fatiguée. Allez, je vais rentrer ta chambre. Ça y est, tout le monde est là. Enfin presque. Des personnes manquent à l'appel. Mais je les oublie pas. J'ai retrouvé le calme. On parle. On rigole. On passe de beaux moments. Oh oui, c'est incroyable. Je l'ai vu en 2014. Quelle folie. Frérot, enfin tu passes. Enfin, depuis le temps que je t'ai dit. Enfin, tu m'invites. Non, arrête. On a l'habitude, la routine. En plus, maintenant, tu sais, il y a la petite. Là, je t'ai joué avec ma sensibilité. Tu m'as pas invité depuis le temps, je t'ai dit invite-moi. Je t'ai dit, passe quand tu veux. Donc, t'as vu, ça dort pas, ça se réveille à 4h du matin. Ça te saoule? Je t'avoue, j'étais bien célibataire aussi. Carrément! Moi, j'ai fait un déni de grossesse pour les gars. Oh! Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir retrouvé la paix. Et d'être avec mon fils. C'est tout. Non, non. Ne dis pas, hein, on ne dit pas. C'est, non, après voilà, on est bien, mais je suis bien avec Julie, tu vois. Après, je suis en couple, tu vois ce que je veux dire. Viens, viens, viens. Hé, hey. Aiden. Viens. Non, arrête, oh, oh, c'est pas grave. Vite, debout. Prends le verre. Tu parles un peu en nez en ce moment. Vous l'avez reconnu, lui, c'est Obi. Mon frérot, ça bouge pas, vous savez déjà. Regarde ta salaille. Pourquoi t'as pris Fenel? Tout le monde supporte Fenel dans la famille, si tu me racontes. Ouais, les gars, ta salaire, ils sont plus forts. Juste à côté, c'est Ali, le petit frère d'Obi. On dirait Obi sans bouc. C'est une dinguerie comment ils se ressemblent. T'es sûr que t'es mon gros, toi? Ouais, mais toi, je suis pas sûr, hein. Tu veux qu'on s'embrouille ou quoi? Non. Vas-y, joue. C'est bien, c'est depuis qu'il a grandi, Obi passe beaucoup gens, plus de temps avec son petit frère. Allez, et il fait plus très plus attention vite, à lui. Plus vite, voilà, plus vite. T'en as fait 10, là? Ouais. Tu crois que tu vas me faire à moi ou quoi? Côté pro, ça change pas. Le frérot, il est encore dans le rap. Il a rien lâché et il a encore plein de choses à nous montrer, le poteau. T'étais mon petit frère et t'es jamais venu dans mon barbeur. Bah là, on y va là. Voilà, je te laisse rentrer. Bismillah. Ça se passe l'école? Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Il peut toujours aller se couper. Ouais, y'a pas de soucis. C'est toujours bon, Farou qui t'attend. Vas-y, tu peux y aller. Sinon, ça va toi? Bah ouais, ça va. Hein. Et toi? Là, ça va, taf, tout ça, tout se passe bien. Ouais, ça va, bah l'accueil, hein. Ça va, tranquille. C'est bien. Et toi? Moi, ça va, ça va. Ça va? Tranquille. Je t'attendais. Tu m'attendais? Ouais. Je vais voir le petit pro, j'arrive, c'est bon. Ça marche. Vas-y. La fille à côté de lui, c'est Emma. Elle kiffe Obi, je crois. Mais lui, il veut pas mélanger le pro et le perso. Et il a bien raison, vu qu'elle travaille à l'accueil dans notre nouveau barbeur. Tu devrais bien avec un petit taper, tu vois. Et je vois que ton ancien coiffeur, il t'a un petit peu reculé les contours sur le côté. Et on va essayer d'arranger ça. Frère, t'es moi. On dirait un terrain de foot. Ça, ça va comment, frérot? Tu vas bien? Au calme? Bien ou quoi? Ouais, faut que tu le rattrapes, le frérot. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je veux bien m'occuper de lui. On est chez Hillside. Il va se couper chez Hillside maintenant. T'es chez toi ici. Ouais, frérot. Ça, c'est un temps que je veux me parler à France. Tu
Dis-moi mon frérot, t'as besoin de parler? Ça va, tout se passe bien. Ça va, Abdullah, tout se passe bien, ouais, pour le mieux. T'as besoin de rien? Franchement, j'ai besoin de rien du tout. Là, on vient d'ouvrir à 20 minutes. Le coiffeur est en train de couper. Hassan, on m'a dit, il est toujours au Maroc? Ouais, toujours au Maroc. Ouais. D'ailleurs, je vais l'appeler, je vais lui dire que c'est carré, que tout se passe bien. Ok. Ça marche, pas de soucis. Je te laisse le cul. Vas-y. Petit frère. Vas-y, y a pas de soucis. Vas-y, gros, force, courage. Ça va ou pas? Ouais, ça va. Ça va, Zank, ça dit quoi? Ah, je suis au cimetière. Hassan, c'est comment? Ce petit bâtard de Hassan, on va se le faire. Il est toujours au Maroc. Ouais, chez. Et nos gars là-bas. Ils viennent d'arriver sur place, tout se passe comme prévu, t'inquiète pas. Beka, il est où? Beka, il arrive. Beka, bien? Et toi? Bien. Toujours chaud? Toujours chaud, hein, tu connais. Ah là là, lui là, je sais pas quoi penser de lui. Il traîne avec Obi, on se croise, on se dit bonjour, tout ça. Mais malgré tout, j'arrive pas à avoir confiance en lui. Je sais pas, j'ai l'impression à tout moment, il peut nous la mettre à l'envers. Il est pas clair, toujours dans de sales histoires. Bref, c'est Beka. T'es sûr de toi? Mes gars sont placés au Maroc. Hassan, Obi, toute sa famille. On va se les faire. Y'a intérêt. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit? Très très bien. Hillside Paris 10, Emma, bonjour. Oui? Vous souhaitez prendre rendez-vous? Ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est noté. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Salut. Ah, je vais bien ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. T'as pas rendez-vous aujourd'hui? Non, même pas. Je passais dans les coins. Je me suis dit, je vais faire un petit saut. Ça fait longtemps que t'as pas vu dans le coin. Ouais, je sais, j'avais pas mal de missions en ce moment. Je coupe pas trop le temps. C'est vrai que ça fait un moment que je t'ai pas vu. Hein. T'as des beaux yeux en vrai. Merci. De rien. Y a Obi en bas. Ça se passe entre vous? Ouais, ça se passe bien. Ouais? Ok, ok. Vas-y, je vais passer le voir. C'est bon, là, t'es carré, non? Ouais. Bah ouais, t'as tout ce que je vais faire ou quoi? Machallah. Ça va, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. J'ai intérêt à aimer. Bah, bienvenue chez Hillside. Merci, frérot. Là, ça tue, ça tue. Ah ouais, stylé ton pistolet, hein. T'avais jamais vu? Non. Oh, y'a les deux gros. Ça dit quoi, ça va? Bien, regarde-moi, ça se passe. Ça va, quoi, gros? Tu vas bien? Le petit gros, ça va ou quoi? Bien? T'as tête, la coup. T'es chaud, on va parler ou quoi? Ouais, ouais. Tu me parles de quoi? Eh frérot, je vais pas passer par quatre chemins. J'ai un plan bon pour toi. C'est quoi ton plan bon? Tu vois ton salon avec Hassan, il tourne bien. Alhamdoulilah, ouais. Tu peux faire rentrer encore plus de sous. Plus de sous, c'est-à-dire? Blanchiment. Blanchiment d'argent? Non, dentaire. T'es con quoi, je te parle de faire rentrer des gros sous, mon pote. T'as craqué ou quoi toi? J'étais malade ou quoi? Blanchiment quoi frérot? Moi j'ai emprunté le droit chemin frérot, laisse-moi tranquille avec tout ça. Le droit chemin ça rapporte pas de talent mon pote. Le droit chemin il rapporte pas de problème aussi. Eh, tu sais très bien que je les pèse moi les problèmes. Eh frérot, calme-toi, pose-toi, pense à ce que je t'ai dit, pense à rentrer des sous et on en reparle, ça te va? Si tu veux je me pose, je réfléchis, au calme, pas de soucis, mais frérot, compte pas sur moi. On en reparlera. Bah non, mais t'as vu comment il est tout propre. Il apprend super vite, hein. Il est trop intelligent. Bon, en tout cas, je suis très contente d'être là et je suis très contente de faire ta connaissance. Moi aussi. J'ai entendu... Merci. J'ai entendu beaucoup parler de toi. En bien. Bah oui, en bien. Ok, j'espère. Non, j'ai entendu beaucoup parler de toi, en bien, bien sûr. Mais par contre, voilà, c'est ça le truc, c'est que tu connais un peu l'histoire avec Aïcha. Voilà, j'ai besoin d'être rassurée, donc... Moi, j'ai envie de savoir comment ça se passe avec Hassan. Notre relation? Exactement. Bah, écoute, entre lui et moi, ça se passe super bien. Franchement, on est les opposés, mais comme on dit, les opposés, ça tire. Exactement. Ça nous tenait dessus au hasard. Et avec Aiden, je sais que je serai jamais sa mère. Je repasserai jamais à Aïcha et à son âme. Je veux juste être une deuxième fille que maternelle, une présence féminine dans la maison, quoi, dans la famille.
Et voilà, c'est tout ce que je veux. Je veux juste le bien de tout le monde, que ça se passe bien. Et je vois que t'as les larmes aux yeux. Parce que ça me touche. Franchement, c'est juste ce dont j'avais besoin d'entendre. Tu sais, donc je te remercie beaucoup. Je suis contente, je veux juste que tout le monde soit heureux. Et je suis contente. Bon, on va pouvoir profiter là de tous ces jours passés ensemble. J'espère. On va bien s'amuser, on va apprendre à reconnaître. Ouais, t'as vu, je t'avais dit. Vous avez bien fait de fumer ce chien. Ah, frère. Tu sais que toi et moi, on a eu des petits différends par rapport au business, le B. Ouais, je connais. Ouais, alors, comment ça, t'as fait mon frère? Quoi? Mais jamais j'aurais fumé le B. Mais arrête de mentir, tu vas nous suivre maintenant. C'est qui alors? Je sais pas, frère. Tu te fous de ma gueule. Avance, suis. Avance. Avance. C'est pas moi. Je vais te poser la question une dernière fois. Qui est? Ah putain, mon petit frère. Je sais pas le dé qui a tué ton frère. Ah ouais? C'est pas? C'est pas? Putain! Sale fils de pute, va! C'est des putes, tu dis en plus? Vas-y, tire ça alors! Fume-moi comme ils ont fumé ton frère! Celle-là, c'est pour mon petit frère. Enfin, putain! Toujours des cons. Toi, tu m'avais pas dit, hein, tu m'avais pas dit, tu m'as caché des balles. Qu'est-ce que je t'ai caché? J'étais un peu au téléphone, j'ai dit faut que je te présente quelqu'un. Mais arrête, frère, t'as affaire, tu me dis tu me présentes quelqu'un. Ouais. Tu m'avais pas dit que tu devais me présenter un avion de chasse. Frère, t'as le permis poids lourd maintenant ou quoi? Tu sais que ça, c'est pour se conduire, il faut le permis poids lourd. Ouais, il est juste là. Il a tous les permis, le bouc. Non, en vrai, t'as vu, frérot, je te cache pas, je sais ce que tu vas te dire. C'est pas du tout le frérot. Style de femme sur qui. Frérot, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais d'habitude, tu vois. Ouais, je sais. Ça fait un an que Kaïcha est plus là. T'as, je te cache pas que je me prends plus la tête. C'est pour ça, frère, tu vois, je rentre, j'ouvre la porte. Je vois. Après, tu vois, t'es un grand garçon. Ouais. Mais je suis ton cousin, je suis obligé de te demander, ouais. Tu vois. T'es sûr de what? T'as vu, aujourd'hui, frérot, je suis plus sûr de rien. Depuis que Kaïcha est parti, je suis plus sûr de rien, frérot. T'as vu, je suis avec mon fils. Il n'y a que lui qui compte. Je me prends pas la tête. Ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas. Tant pis, je te cache plus que t'as eu mon cœur, il est déjà parti, frérot. Toi-même, tu sais. Et ouais, je sais que c'est l'opposé, mais t'as vu, frérot, c'est les opposés, ça tient maintenant. Qu'est-ce que tu te dis? Dis chacun. Vas-y, viens, viens, viens. De toute façon, on va voir ça avec lui, là. Il arrive. Vas-y. Bon, les gars, on va pas perdre de temps. Ce soir, ce petit frère Dobby et nos gars au Maroc, ils vont s'occuper du fils d'Hassan. Les gars, t'inquiète même pas, je sais ce que j'ai à faire. D'ailleurs, je vais rejoindre OB et son petit rôle là. Une fois que je suis sur place, je vous envoie la log, c'est bon? Vas-y, OP. Vas-y, regardez le dé. Attention, ça trame. Tu m'attends ou quoi? Ouais. T'es un bon, t'es un bon. T'aimes bien aller au studio avec ton frère, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien en vrai. Ouais. Bah profite bien avec ton frère. Ouais, t'inquiète. Vas-y, on y va. Non, vas-y, sérieusement. Si un jour votre copain, copine, homme, femme vous trompe, vous pardonnez ou pas? Ça dépend. Ouais, ça dépend, ça dépend. Alors comme ça, t'as besoin d'argent? Qui t'a dit que j'avais besoin d'argent? T'as besoin d'argent ou pas? Ouais, alors, tu peux m'aider? Ouais, je peux t'aider. J'ai un truc pour toi. Hassan, c'est ton pote, non? C'est mon frère. Ton frère? Et pour 500K, ça serait toujours ton frère. Qui va me donner 500K à toi? J'ai l'air de rigoler. C'est très bien que j'ai l'étal. Tu te rappelles de Blunt? Ouais. C'était mon petit frère. Et Hassan, il l'a tué. Maintenant, moi, je veux que tu me ramènes à Eden. Tu vas faire avec Aiden? Laisse Aiden en dehors de ça. Tu veux le faire ou pas? Aiden, c'est mon fils. Je peux pas. Pour...
pourquoi tu vas Aiden? Tu veux le faire ou pas? T'as besoin de l'argent, j'ai besoin du petit. Tu le fais ou pas? Et qu'est-ce qui me garantit que tu vas me donner l'argent? T'as vu ce soir? Passe me voir, je te donne 100K. Ce soir? Ce soir, 100K. C'est bon? Déguste un queugré dans un féfé. Dans un chaos que t'auras jamais. Dis-moi t'aider comme j'avais mal tête. J'suis un down et j'règle la tâche. J'suis là pour le paper, j'donne plus de sentiments. J'remplace mes droits de main par un pacemaker. Bah ouais j'suis mauvais, bah ouais j'suis toxique. Mais j'en veux d'argent, trop de cul veut mon cœur. J'suis là pour le paper, j'donne plus de sentiments. Eh c'est comment là? Eh c'est quoi le plan? J'attends que Becca il m'envoie la position. Une fois qu'il m'envoie la position, on va appeler ta petit frère Roby. Et après, on le ramène au DE. Vas-y. Bah tiens. On y va. Vas-y, vas-y, tartine, tartine. Nous, on trompe par envie. Vous, vous trompez par sentiment. Ça, non, c'est pas vrai. Genre, vous, les filles, vous êtes précieuses. Vous êtes un diamant. Et vous, vous êtes des cailloux. MDR. Non, mais n'importe quoi. Je pense que sur ce débat-là, bon, les gars, je suis éteint. Obi, on s'attrape la famille. Tiro, à la prochaine. Vas-y, Becca, Abi. Vas-y, fais pas le coup. C'est bon, c'est là. Et maintenant? On attend Becca. Tiens, le voilà. C'est bon, vous avez ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, hein. C'est carré. C'est écoute, carré. Il va sortir dans 5-10 minutes. Mettez-vous à l'ombre, les mecs. Eh, t'inquiète, on sait ce qu'on a à faire. Opérez comme vous voulez, mais il faut que ça soit bien fait. Eh, t'inquiète pas, c'est bon, gère ça. Ok, le D veut le petit aujourd'hui. C'est bon? C'est carré. Vas-y, je me casse. Bon, viens, on y va. Toi, si ça dépend. Attends, je vais voir le film, parce que c'est bien. Non, 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 pas mes femmes. Faut que je trouve, j'ai pas calculé, les gars. J'arrive. Continuez votre débat, j'arrive. Ça dépend.
c'est quoi, vous avez raison, vous m'avez saoulé, je suis tout seul. Je vais aller prendre l'air avec vos trucs de meuf là. Ça m'intéresse. Vas-y, viens, réveille-toi, on se barre. Vas-y, réveille-toi. Super, là. On rentre. Aiden! Sentiment, je remplace mes battements par un pacemaker. Bah ouais, je suis mauvais, bah ouais, je suis toxique. Mais j'en veux de l'argent, croque, veux mon cœur.